Bonjour, chers élèves. Je suis Monsieur Samba Jean-David, professeur de français. Une fois de plus, je me présente à vous ce matin dans le cadre de la continuité pédagogique et des acquis sur la dissertation. Mais ce matin, je me propose particulièrement de travailler avec vous sur la rédaction de la conclusion d'une dissertation. Comme vous le savez, après avoir analysé, discuté, échangé sur un sujet donné, il faut savoir conclure, c'est-à-dire tirer des résolutions, lever une ou des options à retenir. Il en va de même de la dissertation où, après le débat, il faut absolument proposer une conclusion. Ainsi, à la fin de cette séance portant sur la rédaction de la conclusion d'une dissertation, vous devez être capable de rédiger une conclusion normative en respectant les différentes étapes à partir d'un sujet proposé par le professeur. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons nous poser quelques questions pour que nous puissions nous comprendre sur ce que nous envisageons faire ce matin. Et la première question que l'on va se poser est celle de savoir quelles sont les différentes parties d'une dissertation? Quelles sont les différentes parties d'une dissertation? La dissertation comporte trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Donc l'introduction, le développement et la conclusion. Il est évident que lorsque vous rédigez, ces aspects ne doivent pas figurer sur vos copies. Le professeur saura que vous avez abordé l'introduction, que vous êtes au développement et que vous terminez par la conclusion. Il suffit simplement de les séparer en sautant une ou deux lignes sur votre copie. Qui peut donc dégager le rôle de chaque partie de ces trois parties que nous avons énumérées? Eh bien, l'introduction sert fondamentalement à présenter le sujet et à définir les axes de la réflexion. On présente le sujet, on présente le problème et on dit comment gérer, comment analyser, quelles sont les étapes d'analyse que l'on se propose, ou qui sont dictés évidemment par le sujet. Le développement, quant à lui, eh bien, consiste à donner les détails relatifs au sujet en fonction des axes de réflexion que vous avez présentés à l'introduction. Et vous devrez donc, dans votre développement, suivre ces axes-là, tels que indiqués à l'introduction. Et la conclusion, qui est donc la troisième étape de la dissertation, consiste à faire le point de l'analyse ou de la réflexion. Quel est le sujet que nous avons abordé la dernière fois, qui peut rappeler ce sujet de la dernière fois? Eh bien, la fois dernière, nous avons travaillé sur le sujet suivant. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifiez cette assertion en vous appuyant sur le pleurer-rire et ou le mariage de Figaro. Nous allons nous permettre de remettre ce sujet au tableau. Question de bien le visualiser. Nous remettons donc le sujet de la fois dernière au tableau.
sujet. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Le pouvoir déprave l'homme. Le pouvoir déprave l'homme. Justifier cette assertion. Justifier cette assertion en vous appuyant sur le pleurer, rire d'Henri Lopez et ou sur le mariage de Figaro de Beaumarchais. Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà le sujet sur lequel nous avons travaillé la dernière fois et nous allons nous permettre de le relire parce qu'il faut relire le sujet à plusieurs reprises pour mieux l'appréhender. Sujet. Un critique déclare que le pouvoir déprave l'homme. Justifiez cette assertion en vous appuyant sur le pleurer-rire d'Henri Lopez et ou sur le mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà le sujet de la dernière fois. Alors, quelle est la problématique que nous avons dégagée la fois dernière dans la première étape de cet exercice? Eh bien, nous rappelons que la problématique a été ainsi formulée. Donc, nous remettons au tableau cette problématique. Donc, problématique. On ne revient plus sur les thèmes et les autres aspects. C'est la problématique qui nous intéresse. Donc, la fois dernière, nous avons retenu ceci. Dans quel contexte, on pouvait aussi dire comment, ou encore dans quelle mesure. Dans quelle mesure le pouvoir pervertit-il l'homme dans le pleurer rire d'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro de Beaumarchais.
Donc, dans quel contexte ou comment ou dans quelle mesure le pouvoir pervertit-il l'homme dans le pleurer-rire d'Henri Lopez et ou dans le mariage de Figaro de Beaumarchais? Alors, nous avions dit la dernière fois qu'il faut choisir l'expression qui convient. Vous n'allez pas mettre à la fois dans quel contexte ou comment, dans quelle mesure. Vous choisissez l'une des expressions pour introduire votre problématique. Donc voilà ce que nous avons retenu la dernière fois comme problématique découlant du sujet que nous avons au tableau. Alors, quelles sont finalement les étapes d'une conclusion? Quelles sont les étapes d'une conclusion? Alors, il y en a trois. Nous allons les énumérer au tableau. Donc, nous retenons ici les étapes d'une conclusion. Les étapes d'une conclusion. Alors, la première étape, c'est le bilan. Le bilan de l'argumentation. Le bilan de l'argumentation ou de la réflexion. La seconde étape d'une conclusion, c'est la prise de position claire, sur la question posée. Sur la question posée par le sujet. Et la dernière étape, nous avons l'ouverture ou l'élargissement du sujet. Nous mettons si possible. Donc voilà les trois étapes évidemment que nous devrons retrouver dans la conclusion de la dissertation. Il s'agit donc pour vous de faire le point, de faire le bilan de tout ce que vous avez dit dans le développement, étape par étape. S'agissant par exemple d'un plan dialectique, vous résumez en une phrase la thèse que vous avez soutenue. La deuxième phrase, vous résumez l'antithèse et cela présente donc le bilan de votre réflexion. Et la deuxième étape, comme nous l'avons mentionné au tableau, consiste pour vous, eh bien, de donner une réponse, en quelque sorte, au problème soulevé par le sujet. Il s'agit de votre position que vous devriez définir clairement dans la conclusion. Et enfin, c'est l'ouverture. Parce que à ce niveau, il est difficile de penser qu'une réflexion s'achève quelque part. Eh bien, il faut donc une ouverture pour permettre la poursuite de la réflexion. Et ça devient comme une provocation que vous devrez faire pour faire réagir ceux qui vont éventuellement lire votre réflexion. Donc, ces trois étapes doivent figurer dans votre conclusion. Bien. En quoi consiste chacune de ces étapes? Donc, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Vous reprenez les grandes lignes de votre développement. Vous donnez votre opinion sur la question que soulève le sujet. Et vous proposez une autre piste de réflexion à la suite de votre analyse. Bien, à ce niveau, par rapport à ce sujet que nous avons, quelles sont les phrases, puisque nous avons notre développement,
nous avons les éléments du développement dans lesquels nous allons puiser les éléments de la conclusion. Et donc, quelles sont les phrases qui correspondent à chaque étape que nous avons énumérée au tableau? Donc, nous mettons phrase correspondant aux étapes de correspondant aux étapes indiquées. Aux étapes indiquées. Mais nous attirons votre attention. Ce que nous esquissons ici comme phrase correspondant, c'est par rapport à ce sujet. Vous n'allez pas, ipso facto, mettre les mêmes phrases dans toutes les conclusions que vous aurez à rédiger. Ces phrases que nous allons élaborer ensemble correspondent à ce sujet que nous avons commencé à exploiter et sur lequel nous travaillons encore ce matin. Alors, pour faire le bilan, donc la première étape, on peut, entre autres, retenir la phrase suivante. En dernière analyse, il n'est pas totalement, il n'est pas totalement faux de soutenir Il n'est pas totalement faux de soutenir que le pouvoir déprave l'homme en l'éloignant considérablement du peuple. Alors ici, nous avons donc le bilan qui est la première étape de la conclusion. Alors, comment nous pouvons maintenant inscrire notre prise de position dans cette introduction? Et là aussi, entre autres, on peut retenir la phrase suivante. Donc, deux. Nous estimons que le dépositaire du pouvoir devrait davantage œuvrer pour le bien-être des citoyens, car lorsqu'on se met résolument au service de son peuple, au service
de son peuple. Donc, à travers cette phrase, eh bien, nous répondons à la question soulevée par ce sujet. Nous prenons clairement position. Et notre position, c'est celle qui est indiquée ici. Nous estimons que le dépositaire du pouvoir devrait davantage œuvrer pour le bien-être des citoyens, car l'on est chef que lorsqu'on se met résolument au service de son peuple. Il nous reste donc la dernière étape mentionnée ici, l'ouverture. Bon, là également, il n'y a pas de formule magique à vous proposer, parce que souvent, cette partie dépend de votre culture générale, de votre style, de votre compréhension du sujet. Donc, il n'y a pas de formule magique à proposer à ce niveau. Mais ce que l'on peut retenir ce matin, c'est la possibilité suivante pour l'élargissement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, tout pouvoir, quoi qu'il en soit, tout pouvoir qui ne repose que sur les intérêts personnels est voué à l'échec. Alors, vous comprenez qu'à partir de cette phrase d'élargissement, eh bien, le correcteur, le lecteur éventuel peut réagir dans un sens ou dans un autre. Hein, parce que il pourra aussi dire, eh bien, le pouvoir qui repose sur les intérêts personnels peut aussi réussir à faire changer les choses. Bien, voilà les différentes étapes de la conclusion que nous avons énumérées ici et qui s'expriment à travers les phrases que nous avons proposées. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, maintenant, nous passons à la rédaction de la conclusion. Nous passons à la rédaction de la conclusion et celle-ci consiste simplement à compiler toutes les phrases que nous avons mentionnées au tableau. On va les compiler en un paragraphe parce que même si nous avons trois étapes, ces trois étapes se fondent dans un seul paragraphe. Je rappelle que la conclusion se rédige en un seul paragraphe et dans lequel on doit absolument retrouver les trois étapes que nous avons indiquées. Nous passons maintenant à la rédaction de la conclusion. Mettons rédaction de la conclusion. Rédaction de la conclusion. Bien, nous avons dit qu'il y a trois étapes et il suffit simplement maintenant de compiler ces phrases. Donc, nous allons prendre cette première étape-là qui va constituer le début de notre conclusion. Donc, nous reprenons cette phrase. En dernière analyse, il n'est pas totalement faux de soutenir que le pouvoir déprave l'homme en l'éloignant considérablement
en l'éloignant considérablement du peuple. Ça, c'est la première étape que nous avons installée. Nous continuons avec la deuxième étape qui commence là. Et ici, on ne va pas à la ligne, puisque nous avons dit ça se rédige en un seul paragraphe. Donc, nous prenons cette deuxième étape et nous continuons ici. Nous estimons que le dépositaire du pouvoir devrait continuons ici. Devrait donc nous estimons que le dépositaire du pouvoir devrait davantage œuvrer pour le bien-être des citoyens car l'on est chef que lorsqu'on se met résolument au service de son peuple. Ça, c'est la deuxième étape, la deuxième phrase que nous avons installée dans la conclusion. Et comme vous le constatez, il nous reste à placer l'élargissement, donc cette phrase, dans notre introduction. Là également, on ne va pas à la ligne, on continue pour garder un seul paragraphe. Quoi qu'il en soit, tout pouvoir, qui ne repose que sur les intérêts personnels est voué à l'échec. Voilà, chers élèves, une esquisse de l'introduction qui s'appuie sur les étapes que nous avons indiquées. Et ces étapes, comme vous pouvez vous en rendre compte, se retrouvent dans la conclusion que nous avons proposée. Hein, la compilation de toutes les phrases. Donc, ces étapes doivent absolument se retrouver dans votre conclusion. Il faut les respecter. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de ce matin, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Chacun doit poursuivre l'effort à la maison. Et ainsi, je vous propose le sujet suivant que vous pouvez traiter à la maison, particulièrement
la rédaction. Le sujet est ainsi formulé. Faites la rédaction de la conclusion à partir du sujet suivant. Stendhal écrit dans son roman Le Rouge et Le Noir, un roman est un miroir que l'on promène le long d'une route. Justifiez ce point de vue en vous appuyant sur le roman Le Pleurer Rire d'Henri Lopez. Donc, vous allez travailler à la maison, vous allez faire la conclusion comme nous l'avons fait tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.